Max Avondconcert. Muziek van Renaissance componisten. Daar opende dat concert dus mee. Maar er klonk 26 januari jongstleden ook nieuwe muziek. De Lecture de Cioran. Voor koor en verteller van de Nederlandse componist Mark van Platen. En die kent u misschien als u de film Kees de Jongen heeft gezien in ieder geval. Want daarvoor schreef hij de muziek. Film uit 2003. Die werd onderscheiden met een gouden kalf. Ik ontval de wereld als een ring de vinger van een skelet. Zo eindigde de tekst die Mark van Platen gekozen heeft voor zijn Lecture de Cioran. Ontleend aan het boek La Tentation d'Exister van de Roemeens-Franse filosoof Émile Cioran. Eind jaren 30 vestigde deze zich in Parijs. En pas na de val van het communisme in 1989 mocht hij zijn geboorteland Roemenië weer bezoeken. En die verscheurdheid heeft ook al wat bijgedragen aan zijn zwartgallige stijl. Thema's als dood, eenzaamheid en het zoeken naar mystiek komen in zijn boeken aan bod. We gaan luisteren naar de Lecture de Cioran van Mark van Platen. De verteller is Pierre-Guy Le Gaulle-White en Capella Amsterdam natuurlijk onder leiding van Gijs Leenaars. Soudain, en deçà de tout, je glisse vers le point d'inexistence de chaque objet. Le moi, une étiquette. Parallèle à mon visage, je me mire dans mes regards. Chaque chose est autre. Tout est autre. Quelque part, un œil. Qui m'observe? J'ai peur. Et puis, je suis extérieur à ma peur. Hors des instants, j'ai peur. Et hors de sujet que je fus, comment m'affilier au temps? Chaque chose est autre, j'ai peur. Tout est autre. Quelque part, un œil. Qui m'observe? J'ai peur, et puis je suis extérieur à ma peur. Hors des instants et hors de sujet que je fus, comment m'affilier au temps? La durée se momifie, le devenir est devenu. Plus aucune parcelle d'air où respirer ou crier. Soudain, en deçà de tout, je glisse vers le point d'inexistence de chaque objet. Le moi, une étiquette. Parallèle à mon visage, je me mire dans mes regards. Chaque chose est autre. Tout est autre. Quelque part, un œil. Qui m'observe? J'ai peur. Et puis je suis extérieur à ma peur. Hors des instants et hors de sujet que je fus, comment m'affilier au temps? J'ai peur, et puis je suis extérieur à ma peur. La durée se remet, le devenir est devenu. Plus aucune personne d'air pour respirer, pour respirer. Le souffle est nié, l'idée se fait. Du tout, je glisse vers le point d'inexistence de chaque objet. Le moi, une étiquette. Parallèle à mon visage, je me mire dans mes regards. Chaque chose est autre. Tout est autre. Quelque part, un œil. Qui m'observe? J'ai peur. Et puis, je suis extérieur à ma peur. Hors des instants et hors de sujet que je fus, comment m'affilier au temps? La durée se momifie, le devenir est devenu. Plus aucune parcelle d'air où respirer ou crier. Le soufflé est nié, l'idée se tait, l'esprit fut. Qui m'observe? J'ai peur, et puis je suis extérieur à ma peur. Soudain, en deçà de tout, je glisse vers le point d'inexistence de chaque objet. Le moi, une étiquette parallèle à mon visage. Je glisse vers le point d'inexistence de chaque objet. Soudain, chaque objet. Le mot, 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 le mot,
Ja, dat was dan de Lecture de Cioran van de Nederlandse componist Mark van Platen met verteller Pierre-Guy Le Gault-White. Capella Amsterdam, onder leiding van Gijs Leenaerts op 26 januari jongstleden. Het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam.